Welcome to Piment TV and welcome to the artist de la semaine, artist of the week, if you prefer, because the singer with me is prof, English prof? English teacher. English teacher, English teacher. English prof si vous voulez. Vaut mieux nous attaquer notre créole parce que... Oui, on va y péter. Parce que son nom déjà est bizarre, parce qu'il appelle Fitzayen, mesdames et messieurs. On a le plaisir d'avoir lui dans cette émission, l'artiste de la semaine. Pourquoi notre fait une petite intéressante comme ça en parlant anglais? Parce que Fitzayen, lui, il habite pas à La Réunion, il habite en métropole et là-bas, il est prof d'anglais. Donc du coup, elle nous a fait un petit peu notre intéressant, mais ça, les classiques, ça, chez nous, sur Piment TV, de faire un petit peu l'intéressant. Parce que ça vient mal bas, pas l'intéressant ou? Oui, Malbar 3V. Voilà, exactement. Là, hein. Ça, c'est moins ça. Hein. Tout le monde y connaît ici. Ah, tout le monde y c'est connaît. Ça. Tout le monde y connaît. M'y revendique. Envoyez, pas de soucis. Nous sommes contents d'avoir vous dans cette émission. Et c'est gentil de la semaine. Merci. Parce que toute cette semaine, là où ça est à l'honneur chez nous sur Piment TV. Puisque même si vous êtes loin là-bas, qui est ici, parce que vous faites de la musique, un petit peu de la world music peut-être, hein, on va dire. Oui, mais avec dire ça, des mots créoles à l'intérieur. Oui, exactement. Oui. Bah, explique là... à nous ça un petit coup là, en français seulement, hein, ou en créole comme oui, vous voulez. Oui, pas de souci. Bah, le premier single déjà que j'avais sorti il y a à peu près un an et demi, deux ans, ouais. Donc, qui s'appelle Déploie Utzel. Ouais. Donc voilà un morceau qui pousse un petit peu les gens à voilà, aller voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. D'accord. Et puis pour mieux revenir aussi sur son ouais, petit ouais, bout de galet, quoi, ouais, comme ouais, il ouais, dit. Ouais, ouais. Et voilà, bon, bah, une chanson que voilà, m'a un petit peu publiée partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les plateformes, au niveau des web radios, des radios en métropole, à La Réunion, etc. Mm-hmm. Et puis bah, là, voilà, actuellement en train de travailler sur l'album en lui-même, donc en métropole même. Donc un album qui sera extrêmement varié, extrêmement mélangé, parce que moi je pense que quand on est artiste, on fait de la musique avant tout et j'aime pas trop être catalogué dans un style. D'accord, même si on sait chanter un style de musique, hein, et on sait aussi chanter tous les styles de musique lorsqu'on est chanteur. Hein, exactement. Exactement. Et cela, tu es du passage à La Réunion, on disait tout à l'heure, et tu as, nous as fait le plaisir d'être là avec nous dans nos studios de Piment TV pour cette émission de l'artiste de la semaine, là, où on va dans un instant découvrir ce morceau que tu nous as dit tout à l'heure, Deploy ou Zell, hein, c'est-à-dire aller ailleurs après pour mieux revenir. Nous ne peut pas dire que c'est à La Réunion, on a une diaspora, puisque en fait, la diaspora, comme les gens le connaissent, c'est aller ailleurs, envoyer de l'argent pour faire fructifier le pays. Oui. Et revenir plus tard. Non, les gens qui sont en France, là-bas, ils font autre vie en France, là-bas. Hein, nous, on a des copains comme ça, Jean-Pierre Boyer, qui est parti, qui a fait sa vie là-bas, ouais. Et après, qui est revenu. Et tout à l'heure, on va recevoir Jean-Paul Volney, qui est de passage aussi à La Réunion. Je ne sais pas si tu connais Jean-Paul oui, Volney. Il est là, dans ouais. la cour, là, dans un instant, il va arriver. Fatima, son Fatima, Fatima, t'es carré. Il y a bien tout à l'heure. Et puis, beaucoup, beaucoup de Réunionnais qui sont partis là-bas en métropole faire leur vie comme ça. Alors, dans ces personnes qui sont parties là-bas, là, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs. Est-ce qu'il y a des endroits là-bas où vous vous retrouvez comme ça de temps en temps? Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend des endroits. Bon, moi, je suis dans le nord Pas-de-Calais. Hein, donc, ouais, fait froid là-bas. On n'a pas trop créole. Ah, si, néna, mais ben, on est cachette. Cachette. Reste dans la case, on ne pas. Voilà, reste dans la case, on ne pas. La pluie tombe, fait frais. Donc, ou ça... pas le ch'ti. Ouais, ben, les élèves, ils prennent un petit peu le ch'ti. Donc, ah, voilà, et ben, okay. En récompense, mais il a un gazette de traitement créole. Ah, chouette ça. Voilà, c'est un ouais. échange de bons procédés. Voilà, voilà, exactement. Hein. Mais effectivement, pour rencontrer les Réunionnais, bon, bah, des fois sur les plateformes Réunionnais du Monde, etc., voilà, où ils publient beaucoup de mes chansons et puis de ce que m'y fait, etc., que ce soit des covers ou les morceaux à moi qui sortent, etc. Mm-hmm. Et puis des fois, voilà, les toujours agréables quand on rencontre un créole comme ça dans le chemin. Mm-hmm. Voilà. Alors, dans tous les styles de musique au feu, on a une petite préférence, mais suppose, pour la chanson en créole avec, par exemple, rouleur seulement d'hier. Ouais, ben ça fait vibre le cœur là, ouais, qu'on chante là, là, le frisson il est, le cœur il machin, et le pied fait rien comme ça, comme ça. Vous connaissez cette impression oui, là, non? Oui, effectivement. Hein, j'ai ressenti ouais. cette ouais, impression là. Hein. Moi, il fait moi toujours ça, par exemple, quand il écoute, des fois, il écoute un bon album Maloya. Moi, j'adore ouais. le Maloya. Ouais, ouais. Et c'est vrai que voilà, on a des moments où, en plus, on a des sonorités comme ça en métropole, ouais, ouais. Bon, comme voilà, on a des instruments que ben, on ne connaît pas forcément, par la zot roulée, à Caillan, ben, on garde gros yeux comme ça. Ouais, ouais. C'est quoi? Et puis voilà, donc ça te ramène un petit peu à, ben, à
à ton île, à tes racines. Et ça, ça me fait toujours un peu plaisir. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi de mélanger ces influences-là. Voilà, il peut y avoir du wawa, du kayom, du roulet, du caron dans mes chansons. Mm-hmm. Et c'est des choses qui rappellent un petit peu l'exotisme et les îles. Mm-hmm. Alors, la question qui me vient là tout de suite, là, peut-être on s'échappe un petit peu, mais généralement, on s'échappe toujours pour mieux revenir. Alors, toi qui es prof d'anglais, est-ce qu'il t'arrive souvent de chanter en anglais? Et si c'est oui, parce que tu ne vas pas me dire non, est-ce que chanter en anglais, c'est meilleur que chanter en français, comme me disent tous nos copains anglais avec lesquels on côtoie généralement? Je ne dirais pas ça. En fait, c'est différent. Parce que même quand j'écris mes chansons avec mon groupe, etc., que ce soit au niveau des textes, des mélodies, le chant est différent. Voilà, on ne chante pas pareil quand on chante en anglais, au niveau des intonations, au niveau des pieds, etc. C'est pas du tout la même chose quand on chante en anglais, quand on chante en français ou même quand on chante en créole. Parfois, c'est même plus difficile de chanter en créole que de chanter en anglais. Ah ouais. Donc c'est, mais j'aime bien. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec des groupes internationaux. J'aime bien l'électro, j'aime bien le rock. Mmh. Voilà, donc j'aime bien la pop. Donc forcément, voilà, le monde anglophone est là, est là dans le cœur. Est-ce qu'il t'arrive déjà de chanter en anglais sur une musique créole avec un rouleur à l'arrière, un caillon par exemple? Bah, pourquoi on fait? Il faudra bien essayer. Essayer un petit coup. Hein, tiens-nous ce qu'il fait. On va essayer avec mon groupe là-bas. Voilà. Okay. Nous redescendre un petit peu. Pourquoi l'idée de faire ça? C'est une bonne idée, ça. Merci. Nous redescendre un petit peu sur terre, hein, ouais. Sur cette bonne vieille terre de La Réunion, hein, puisque on est de passage ici en vacances. Ici, et ici avec le soleil, vous voyez comment il tape. Hein, le soleil pète en flair. On est en hiver et le soleil pète d'heure là-bas. Voilà. Comme il vient en 30 degrés. Voilà, ouais. Raconte là-bas, c'est l'été 18. On est dans le nord, pas de calais. Voilà. Et ici, est-ce que quand vous l'êtes ici, vous l'êtes un peu influencé pour écrire de bons morceaux? Oui, énormément. Forcément, c'est le moyen aussi de me ressourcer. Et par exemple, quand je vais enregistrer ou des choses comme ça, ou même écrire, composer, moi j'aime bien aller à Salazy. Voilà, entouré de montagnes, tranquille, on n'entend que le bruit, la voile de la mariée là-bas. D'accord. Et puis le bruit des oiseaux, et c'est un endroit tranquille, paisible, ouais. Et c'est toujours très agréable de composer. D'accord, à la Réunion. Hein, on connaît l'histoire sur Salazy là-bas, quand on arrive dans les montagnes, on regarde loin là-bas, un petit casse dans le haut, nena, la lumière, on dit, comment ben elle a fait pour amener l'électricité dans les bas, et là on monte à pied, on arrive là-bas, le boxeur est un collectionneur de briquets. Ouais. Ah, il y en a un beau pébricain. Bref. Pas mal, ça. Non, Salazy, ça va être encore des petits endroits typiques, on me dirait bucoliques. Ouais. Hein, à Salazy, là-haut. Hein, ouais. Ah, il faut penser à moi, un petit coucou à Ticia Ramacha qui était avec nous aussi aujourd'hui avec son clip Voile la mariée qui a été fait à Salazy, là-bas, juste au pied de la voile de la mariée. Hein. En tout cas, nous sommes contents d'avoir aujourd'hui ici avec nous. Fusayen. Ça même. Fusayen. Ouais, ouais. Na Julie, l'est arrivée là-bas, doucement, timidement. Hein. Bonjour. Ouais, à nous, l'est en direct, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Tout le monde y arrive. Julie arrive, il prend son chaise, il assise, il garde à nous là-bas. Bon enfant, tranquille. Bon enfant. Voilà. Mais ce moment-là, hein, à force de causer, à un moment donné, là, il faut passer aux choses sérieuses. Hein. Et ce qu'on se dirait aussi, il prend un petit coup mon guitare, t'es là, et puis après, nous fait un morceau qui s'appelle Déploie de zèle. Ça hein même. Des plats au ciel, Matt, ça fait un lapsus, mais ça dit des plats au ciel. Non, c'est pas au ciel. C'est l'absus révélateur, ça. Julie, c'est pas ça. Des plats au fiel aussi, hein, parce que le fiel n'est pas bon, hein, pas bon au goût. Hein. Ouais, ouais, hein, ça, dans l'émission Plaisir Créole, on a beaucoup de fiel là-bas, parce que bon, là, tu es cabri, tu es cochon, tu es... Et dernièrement, là, tu es CF aussi, on rappelle. Hein. Eh bien, des plats au ciel, moi, la guitare, à Auchan, au garde du micro, mettez pas les miennes, c'est mon guitare. Et puis après, on fait le morceau. Les bons, fais péter. Allez, les parties, comment il dit, fais péter. Le cœur est gros, à l'envie de plus beau. Il monte, t'y lampe, t'y lampe. Faut suivre que ça, bout de vie chante. Tracasse pas, tracasse pas. Déploie aux ailes, sors d'un querelle. Rouve un pays ou de guerre, allez voir ailleurs. Déploie aux ailes, sors d'un querelle. Rouve un pays ou de guerre, allez voir ailleurs. Pour un oui, pour un non, nous marche toujours à reculons. Un bon petit l'exquise, plus
terre, fais plaisir au cœur, déploie ou tel, sors d'un querelle, rouve à paix ou de guerre, allez voir ailleurs, déploie ou tel, sors d'un querelle, rouve à paix ou de guerre, allez voir ailleurs, nous la paix, dis au revoir, dis frère, en mer, déploie ou t'aile, sors d'un querelle, rouve un paix ou t'aile, allez voir ailleurs, déploie ou t'aile, sors d'un querelle, rouve un paix ou allez voir ailleurs, déploie ou t'aile, sors d'un querelle, rouve un paix ou t'aile, allez voir ailleurs, déploie ou t'aile, sors d'un querelle, rouve un paix ou t'aile, allez voir ailleurs. Ah, ben nous revoilà après ce morceau, hein, déploie ou zèle. Ouais, déploie ou zèle. Et zèle, où l'écrit ça? Z-E-L. Hein? Oui, en créole, la en zèle. Voilà. Comme la zèle poulet. Un morceau que nous pourrez retrouver maintenant sur Piment TV, puisque nous n'avons pas ce morceau-là, mais que toutes les personnes qui connaissent Aou, ou bien qui ne connaissent pas Aou, et qui connaissent Aou maintenant, ils peuvent retrouver aussi sur Internet, bien entendu. C'était mon premier single. Ouais, alors, Fusayen, je ne m'y connais pas, pourquoi me mettre un D toujours, hein? C'est F-U-Z-A-Y-E-N. Ça même. C'est ça, hein, c'est ça. Hein, sur YouTube, hein, donc ils peuvent retrouver tous ces morceaux-là. Et puis après, un clip qui passe chez nous actuellement depuis quelques temps, depuis une semaine ou deux, là, et qui s'appelle... Il nous échappe. Il nous échappe, hein, que nous verrons tout à l'heure en fin de cette émission-là. Hein. Donc, nous l'est toujours dans cette émission, deuxième partie et dernière partie de cette émission, l'artiste de la semaine, parce que vous faites-nous l'honneur de passer à la réunion, nous faisons l'honneur d'être l'artiste de la semaine, l'artiste de cette semaine sur Piment TV. Et... étant artiste de la semaine, hein, alors, n'a que 52 semaines ou 53 dans l'année, hein. Ben, n'a rien l'air où. Super. Combien de morceaux, comme ça, hein. N'a qu'on m'a posé la question, un mot m'a dit comme ça, où est l'artiste de la semaine, combien de morceaux, n'a là-dessus, mais là, 53, hein, par semaine. Ben, j'aimerais bien voir 53, mais pas encore. Des trois morceaux comme travaille ça. Travaille dessus. Voilà. Trois morceaux. L'album est en composition. En voilà, composition, alors, parce que la question me pose. Un album bientôt. Bon, en fait, un EP prochain. Que l'est déjà sur Internet. Ouais. Voilà, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, d'accord, etc. Un EP de 4 titres. Ouais. Et du coup, l'album qui sortira en 2018. 2018. Voilà. Un album d'accord. À peu près de 11-12 titres. Voilà. 11-12 titres. Hein, ouais, quand même, c'est un gros album, ça. Un bon album. Un bon album. Là, c'est pas un album beau marché avec 5 titres, ça. C'est un vrai album. Donc, l'album 11 titres, il prend le temps. Voilà. Et là-bas, comment on fait? Vous voulez accompagner avec un orchestre ou... On a des gens, parce que quand vous dites moi comme ça que dans votre lycée, les Nariens, qu'est Malbar et c'est où? Et que vous habitez au nord, pas de Calais, et que là-bas, créole, pas beau opé, parce qu'il y a que des blancs. Comment ça fait pour trouver musicien créole, pour jouer de bonnes morceaux, mais pour trouver de bonnes oreilles là-bas? Bien prendre des oreilles faites. Oui. Voilà, comme tu disais, tout à l'heure, qu'on n'est pas un cayenne, un rouleur, qu'est-ce que c'est? Je me dis, ben voilà, c'est un cayenne, c'est un rouleur, il faut leur expliquer ce que c'est. Mais c'est bien aussi, parce que bon, je travaille avec un groupe justement qui s'appelle Trimcore. Oui. Voilà, donc je fais un petit salut à Trimcore. C'est un groupe de trois voix d'hommes, en fait, et ils ont sorti un album d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et ils m'ont très gentiment invité parce qu'ils m'avaient vu en plus sur Internet. Et voilà, ils ont voulu travailler avec moi sur mon projet. Et je me suis dit, en plus, en arrivant en métropole, comme quoi, hein, des fois, c'est un peu le destin. Ouais. Donc on a mis, bon, Dieu la mette, Bana sur ma route. Donc voilà, quoi. Donc je suis super content de travailler avec eux et en espérant que tout se passe bien. Voilà. D'accord, alors, bah, super. Alors. Et donc, nous avait dit que les gens avaient besoin à vous pour une prestation là-bas. Vous faites ça, prestation là-bas. Il existe comme ici, ça?
Bah après, oui, bien sûr, ça existe. Après, effectivement, c'est chaque chose en son temps, hein, comme mm-hmm. je dis toujours. Donc là, la priorité, c'est bah, déjà faire la promotion des singles. Bon, la mi est un peu pris avec mon clip, et puis avec l'album. Et puis, quand l'album sera terminé, on va commencer un petit peu des showcases, voilà, des fois dans les bars, des petits endroits en comité. Et puis, on verra. En intimité, voilà. Hein, ou presque en intimité, presque comme une émission intimité. Chez nous qui s'appelle En Presque Intimité. Voilà. Hein. Mais aujourd'hui, nous, tu es dans l'artiste de la semaine, mais tu es presque en intimité. Là, viens nous dire où aujourd'hui. Ouais. Hein, à moi la guitare, à où au micro, et puis nous de où ici, tant de causer. Je lui dis, là, retourne à nous tout à l'heure, et puis après, nous, Richard, à la technique là, aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait nous plaisir d'avoir où aujourd'hui dans cette émission-là. Et les gens qui l'ont besoin, où on a Facebook aussi, où il existe là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr. La fois, elle ne connaît pas, peut-être que Facebook n'existe pas là-bas, parce qu'on a tellement de réseaux sociaux. Bah, les réseaux sociaux, maintenant, mine de rien, c'est très utile, parce que voilà, que ce soit les jeunes ou toutes les personnes, même pour la promotion, c'est super utile. Donc, tu peux contacter où avec. Oui, c'est fusayen.artiste. Voilà, c'est une page Facebook professionnel. Mm-hmm. Zoti, ça va sur, voilà, sur Facebook. Zoti, clique dessus. Mm-hmm. Mais il y a une page Instagram aussi. Donc, Zoti, clique Fusayen. Et puis, voilà. Fusayen, ça s'écrit comme ça. Tiens, regarde, Grichard a écrit dessus. Voilà, là, hein, comment c'est écrit. Hein. On a une couleur préférence hein, ou y'aime quelle couleur Miam le bleu, miam le marron. D'accord. Grichard, mets en bleu et en marron, là, s'il te plaît. Voilà. Richard, la colore tout de suite les affaires, comme il dit. Après, merci bien. Merci de l'invitation, merci nous beaucoup. Nous étions contents d'être dans cette émission, l'artiste de la semaine. Ben, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'artiste de la semaine. Et Fusayen, bon voyage, bon retour. Merci. Hein? Allez, on se retrouve plus tard ou plus devant. Ouais. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Tracasse pas, tracasse pas, des pailles ou de fer.